un peu de tous les, tous les adolescents paumés, ce qu'ils peuvent devenir en manque de repères, qui veulent s'identifier, qui maintenant, bah, les ados, ce qui marche, c'est la télé-réalité, c'est tout ça, donc tout cette célèbre vie avec tout et n'importe quoi. Bah, c'est, oui, c'est un peu ça la critique du spectacle. Oui. Non, c'est pas un spectacle qui dénonce, hein, c'est très... ça met le doigt sur un travers de la société qui peut avoir une certaine jeunesse. Qui vit à travers la télé, qui n'a pas d'autres référents, et ce qui est proposé en télé, notamment des télé comme Énergie 12, c'est quand même très bas de plafond, il n'y a pas de culture, c'est juste la folie du végétariat simple et simpliste. Et ça fait une génération de mômes un peu perdus, qui ne comprennent pas pourquoi ils ne pourraient pas être célèbres aussi, pourquoi ils n'auraient pas droit à ce petit moment apparemment de gloire. Je pense que ça va changer leur vie. Oui, c'est éphémère. Oui. C'est éphémère et que parfois c'est même d'une tristesse. Le nombre de cas de. Ça va devenir sinistre la conversation. Le nombre de cas de suicide, de dépression, enfin, tu sais, Loana, les négrifiques, c'est tout. Il y en a un paquet dont on ne parle pas parce que sinon ça ne fait pas de la bonne pub. Mais il y a énormément de tristesse chez tous ces gens qui retrouvent l'anonymat tout de suite après. C'est un peu ce qui arrive quand même à mon personnage aussi. La fin, elle est quand même pas extrêmement... On va pas en parler de la fin, mais elle est quand même pas très... La fin est pas joyeuse pour mon personnage. Elle est pas joyeuse, non. Alors moi, j'ai une question. Il y a combien de lunes ? Il y a combien de lunes ? selon les Marseillais, selon les Marseillais à Rio, il y en aurait plusieurs. Et selon les gens éduqués, il y en aurait qu'une. Il y en aurait qu'une. Savoir qui a raison. C'est vrai que tu t'attends un peu, enfin ce qui est bien c'est que tu t'attends pas sur toi-même, de ce que tu te moques de toi, de ta calvitie, de ce que tu peux être, que des gens comme Pierre Chazal, Pascal Obispo, et justement moi je me suis demandé qu'est-ce que tu leur dirais s'ils étaient là à ton spectacle, si tu les avais en face de toi. Bah, je dirais que c'est important de rire de soi, faut avoir conscience de sa propre caricature. Moi-même je représente quelque chose, moi-même j'ai mes tocs, j'ai une manière de parler, j'ai une manière de bouger, qui se caricature, c'est pas qui est drôle d'imiter quelqu'un, c'est chouette, c'est juste de prendre des traits, ça veut pas dire qu'on est méchant quand on fait ça. Claire Chazal, j'en parle beaucoup dans le spectacle, parce que en gros, je dis que mon personnage a fait plein de conneries pour faire plaisir à sa mère, parce que sa mère est fan de Claire Chazal. Donc c'est dit si je passe le joint de Claire Chazal, ma mère sera faire de moi. Mais donc oui, j'ai 2-3 termes sur elle, 2-3 blagues que je vais pas dire là, mais c'est pas de la méchanceté pour dire. Dénonce pas quelque chose, elle représente quelque chose, elle représente la journaliste de TF1, elle représente une certaine idée du journalisme, elle en a forcément conscience. Oui. Si elle n'a pas d'humour sur ça, tant pis pour elle. Et est-ce que tu regardais vraiment le journal de Claire Chazal quand tu étais avec ta mère? Oui, mais je ne m'assurais pas devant. Contrairement à ce que je dis dans le spectacle. Non, mais je pense qu'il y a très peu de paroles autobiographiques dedans. L'histoire du cours de musique, tout est dans le, enfin, c'est bon, tout dans le spectacle. Il n'y a aucun référent à ma vie réelle, et heureusement. Ouais, et heureusement, oui. Tant mieux pour moi. Après, il y a plein d'éléments aussi de la vie réelle. Bah, ce que je dis sur les Marseillais à Rio, c'est un véritable extrait. Ouais. Claire Chazal, les bourdes qu'elle a pu dire au journal, ce sont des vraies bourdes qu'elle a vraiment dit. Après, ce sont des bribes, tout ce qui se passe en taule, ce sont des anecdotes que j'ai rendues rigolotes avec des blagues, mais qui sont vraiment eu lieu. Le débat avec un psychologue, etc., c'est des choses qui existent. Mais justement, tes personnages, ils sont quand même super visuels, on les voit tout de suite sur scène, mais comment tu les as travaillés, comment tu t'es dit, comment tu as donné vie à Gilbert, à Emile, à Bertrand? En fait, c'est surtout de l'écrire, ce dialogue tout, et puis après, c'est en impro avec mon metteur en scène, on cherche. Quelle voix correspond le mieux à telle idée? Par exemple, Gilbert, on dirait un peu une sorte de Colombo fatigué, enfin Colombo fatigué, c'est-à-dire qu'il est vraiment dingue. Mais il sort des horreurs que je peux pas dire. Si je les disais avec ma voix normale, ça passerait pas. J'ai déjà fait des tests, certaines blagues, si je les dis en moi ou avec un personnage, les gens ne les acceptent pas. Ouais. Gilbert, comme tu acceptes que c'est un pilier de comptoir fracassé, les gens acceptent qu'il va dire des horreurs d'une certaine manière. Ouais. Émile, il fallait que ça soit un mec un peu flippant, donc forcément tu cherches un peu une espèce de monstre, donc tu rends un peu bossu, et puis un borne, et puis avec un défaut de langage comme ça. Donc, c'est pas sûrement quelqu'un qu'on a pas envie de croiser. Non, voilà. Il a 5 ans, ouais. Et après, tous les autres personnages, ouais, si tu dis quel est l'idée, quel personnage qui va mieux aider le dialogue. Tu fais de la recherche, tu fais des voix, tu fais des attitudes physiques, puis tout d'un coup ça match. Mais des voix, c'est des choses que tu avais pas fait par le passé avant? Oui, je continue de faire des voix de dessins animés, des voix de séries, et j'aime bien changer. Et puis c'est vrai que pour élargir un peu, pour sortir de la prison et aller dans la vraie vie, tu fais aussi pas mal de vidéos avec le studio Bagel. Là j'étais Golden Moustache. Enfin, Golden Moustache. Non, Studio Bagel aussi. Et maintenant, je suis avec Studio Bagel et via Studio Movie. C'est compliqué. Ils ont plein de chaînes, mais globalement, après, je suis un peu avec tout le monde. Mais là, ces derniers temps, c'est plus avec Bagel. Mais c'est l'éclat total de faire ça avec eux. T'as une idée, et en très peu de temps, tu peux la faire avec des jolis moyens. Et si
de l'humour un peu qu'on peut pas faire en télé, donc on se libère quoi. C'est vrai que tes personnages dans ta tête, c'est pas trop schizophrénique. Très équilibré, j'ai mes petits placards, les petits verrous, dès que je sors de scène, je referme tout, j'en dis à demain. Ouais. Et je redeviens raisonnable. J'en essaye. C'est ça qui est intéressant vraiment dans ce spectacle, c'est super varié, il y a vraiment tout qui même dans ta vie à côté, c'est que tu touches à beaucoup de choses, je trouve. Et dans ton spectacle, même quand tu parles de sujets un peu sérieux, parce qu'il y en a quand même des sujets sérieux, on arrive à rigoler, c'est ça qui est fort. Bah, le rire, c'est fait pour amener un peu de réflexion. Enfin, moi, c'est comme ça que je pense, c'est de rire de ce qui fait peur. Donc, à chaque fois, je dis cette phrase, mais on me pose la question, est-ce qu'on peut rire de tout ? Quand on fait ce genre d'humour, c'est la question qui vient régulièrement. Moi, je dis oui, parce qu'il faut rire de ce qui fait peur. Il faut rire de la maladie, il faut rire de la mort, il faut rire des idiots, il faut rire de l'extrémisme. Donc, et c'est là où tu peux gêner un peu les gens.